Hey, salut à tous! Salut, on nous voit. Est-ce que je vous montrerai pas un petit peu la gueule du setup? Est-ce que vous voyez bien là? Oui. Allez, on voit un petit peu le setup. Continue de blablater, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie, ouais. Comme ça, je meuble un petit peu en attendant. Vas-y, meuble donc. Meuble salut donc. À tous! Salut à tous qui êtes sur le chat. Je commenterai pas trop, je fais le tournoi. Mais je meuble un petit peu en attendant que ça démarre. Donc, je vous montre un petit peu le setup. Alors là, j'ai pas de retour d'image, donc je filme probablement. Oui, je te confirme que là tu filmes n'importe coup, quoi. Vous voyez un petit peu le setup, donc nous sommes 34 joueurs je crois pour ce tournoi en équipe, ça fait 12 équipes, ou 11 équipes plutôt. Voilà. Nous avons plein de bords, mais l'intégralité du tournoi de titre se fera sur Steam, puisque 12 équipes ça fait, seulement 6, 4, 10. Ouais, ça va faire à peu près une quinzaine de matchs à faire jouer. Donc là on en a pour quelques heures sur stream. On va se faire plaisir, il y a des équipes bien craquées et je pense que le tournoi va être très fun. Il faut savoir que le 3v3 n'a pas de seed. Donc du coup c'est entièrement du hasard. On m'entend pas trop. D'accord. On m'entend pas trop. Est-ce qu'on m'entend mieux là? Jogiam, hésite pas à me dire si on m'entend mieux. Peut-être que le micro était un peu loin. C'est l'occasion d'ajuster, hein. Il faut nous dire ça avant qu'on démarre. Je vais mettre le son du jeu aussi. N'hésitez pas à nous dire s'il est par exemple trop fort, pas assez fort par rapport à nous. Plus fort le micro. Ok, un petit peu plus fort. Je suis à fond micro. Ah, là il a monté un petit peu, il m'en. Ouais, c'est mieux. Ok. J'ai un retour plus fort aussi dans les oreilles. Je suis même en train de m'exploser les oreilles à proprement. On peut baisser peut-être le son du casque. Oh, en fait, on peut baisser le son de ton casque. Ouais, ton casque, il est ici, donc je te le baisse là. Vas-y. Okay. Bon, là, t'as baissé le son. J'entends plus rien. Donc, voilà, là, j'ai un retour caméra. Je bouge dans tous les sens. Vous avez tous le mal de mer. C'est pas grave. Vous voyez un petit peu ce très joli setup que nous avons au James Game Center. Et donc, le challenge qui est dans le chat. Qui ont soif de tuer les gens. Oh pardon, ce qui sont plus, c'est bon. Je t'oppresse. Voilà, vous voyez, vous voyez un des organes principaux qui prépare la borne, qui reset, et je crois que nous avons nos deux premières équipes qui se prêtent. On aura la revanche des sacs contre Tu peux pas testo. Tu peux pas testo, triple X. La revanche des sacs. Composé donc de... Non, la revanche des sacs, c'est marqué à l'envers. Oui, c'est la deuxième. Et la première, c'est d'Alex. Ouais, Jujumag, DXTVX, d'Alex. Ouais, ils sont tous là, ils sont prêts déjà. Donc la SAI a été éliminée. Et ils font une équipe de 4. Voilà, c'est ça. En fait, il y a deux équipes qui ont fusionné, histoire d'avoir des équipes plus sympas, parce que c'était un peu chiant pour eux d'avoir des équipes de seulement deux personnes. Du coup, on a trouvé une solution à peu près convenable. Combien tout le monde? C'est ça. Alors, la webcam, on va la fixer avec l'écran un peu penché. Ça a l'air d'aller. Je vais me mettre extrême juste pour voir si on nous voit comme il faut. Ok, là, on ne voit pas comme il faut. Ça sera mieux. Salut à tous. Salut, salut. Ok, salut Forkizan, salut Windows 93, salut Jokilian, j'espère qu'il y a un paquet de monde qui nous regarde ce soir. Hola Ricky, ça va, partagez sur vos réseaux sociaux, partagez. Ouais, n'hésitez pas à partager le fait que nous sommes live et que nous avons démarré ce superbe tournoi en équipe avec Isimand à côté de moi qui sera aux commentaires ce soir. Assez souvent, je pense. Voilà, assez souvent. Il y a Ourk qui va aller le micro. J'ai un peu monopolisé tout à l'heure, donc je te laisserai le plaisir de la Faut que ça tourne, après. Nous, on est prêts. Et alors, toi, on a fait le Junkend déjà. Donc, c'est bien leur team qui joue. Hein. Oui, c'est ça, ouais. C'est la revanche des sacs. Allez-y, les gars. Je fais comme tu veux, ou je vais. Vas-y, le temps que je lance le. Ok, allez, bête. Je vais commenter juste le point. Vas-y. Montrez plus à moi. Ça, je prépare le stack. Comme ça, ça te soulage un peu le revanche des sacs. Très bien, très bien. Allez, ça va être parti pour le 3v3 du Film Fighter 2021 avec une équipe entre. Alors, le nom. Revenge. Tu peux pas test triple X. Ah oui, d'accord, c'est triple X. Jujumag 2X, DX, Steve et d'Alex qui sont opposés à l'équipe La Revanche des Sacs, composée de Goeko, Marc Cadet et Angel Killa. On démarre avec un Jujumag contre Goeko direct, un petit match de des familles. Mais Juju, il s'en fout. Les Rio, il veut les éclater par terre. C'est comme des noisettes, il les prend et les casse entre ses fesses.
Allez, c'est parti. Allez, Doskoï est dans les batteuses. Le Doskoï est bien. Le champion est bien gardé, on va y arriver. Allez, le sautier qui se prend à dos. Là, Goïko qui a mal démarré, mais petit à petit, il est en train de regagner du terrain, de pousser en dehors arrière. Magnifique, pas moyen point. Sur moyen pied et les mains. Tranquille. Juju solide sur ce premier round. Face à un très bon Ryu, hein, un poil inconstant, mais vraiment capable du meilleur. Il a prouvé un paquet de magnifique. Gros Shoryu tardif. Il était un peu hésitant sur un tir là-dessus. Il a sur moyen pied de Juju, il fait très mal. Là, un Doskoï qui passe avec un peu déphasé. Sur moyen pied, point. Et point, qu'est-ce que c'est que ce moyen pied? Le Shoryu. Allez, Juju descend le point l'emporter peut-être. Le Shoryu, il lui met un coup de genou. Sur moyen pied, et ça grimpe. Le Juju. Gros match de victoire très important de Juju. Elle va vraiment compter pour la suite. Donc, du coup, c'est André qui va prendre la suite. Mais t'inquiète, c'est toute ton équipe perd, ça joue. C'est André qui reste plus en route. Tiens, problème, Juju. Tu te sens, tu fais deux. Ils ne savent, les Espagnols, qu'ils ont déjà de qualité dans l'équipe d'en face. Et en particulier, c'est clairement le top tiers de l'équipe. Celui qui a fait la meilleure perf au solo, hein, il a terminé 4ème, très bonne perf aujourd'hui. Mais pour l'instant, Juju, il fait le boulot, mais il est en train de se manger le match-up d'Angel Killa. Et Juju, il connaît très bien le match-up Sony, hein, il le pratique beaucoup. Mais après, Angel, il a son style à lui, qui pour l'instant fonctionne très très bien contre Juju. Beaucoup de sauts verticaux, hein, ça je suis familier de ce genre de technique de Nubar. Et House Wingbird est sorti en négative edge, mais c'est pas grave. Oh la punition, laisse-moi tranquille. Le truc, allez, ça passe sur le splash. Et la super qui passe. Qui casse les startups, peut-être de 1000 mains. Et Angel Killa qui prend un premier round. Et il commence à arrêter un peu cette hémorragie Juju Maguesque. Allez, sur le même pied. Le splash en garde. Valiette qui passe derrière. Ce petit pied, ça c'est pas mal. Bonne tech. Allez, ça saute pas, il se permet de sauter. Angel Killa, attention. Hein. On passera pas à chaque fois. Il a une super en garde. Bien joué, c'est un bon point. C'est très très fort dans ce match-up. Ce match qui passe le crossover. Attention à la chape. Oh, Juju, il fait plein de trucs différents. Ils passent tous. Et il meurt sur moyen pied dans le coin. Et c'est la fin de l'aventure pour Juju. Et ça va donc être à d'Alex ou à DX Team d'y aller. Et d'Alex décide de prendre la suite grâce à la chaîne d'Angel Killa. Ça respecte les lois du carpelaire. Alex, rassuse-moi ça. Et c'est donc parti pour le deuxième match entre les deux équipes. Allez, Alex avec son blue slip Jean-Yves, blue slip des surfeurs comme dirait Ken Bogard. Allez, la main vert pour Ken. Alex connaît pas mal le match-up chez lui. Être prudent, bien joué, très très bon zoning la part de Angel Killa. Là pour l'instant, il se fait respecter et il contrôle surtout le milieu de terrain. C'est important de ne pas se faire cuire. Magnifique. Main vert dans Kikoken, celui de 3-6. Allez, il tente peut-être de carotter une super, c'est pour ça qu'il fait l'arrêt à mi-distance. Dommage, là il était en hyper réflexion, il n'a pas pu remettre un arrière. Allez, oh, magnifique la chope. Sauf que la chope de chemise échappée contre Zangief, elle est unsafe, hein, c'est terrible. Sur le groupe, oh, il y a 3-6 là. Il a eu peut-être peur, je sais pas, un petit peu. Et le bas, le qui fait mouche. Et Angel Killa qui a une base de 2-1 qui serait très précieuse. Hein. Et en plus, Angel Killa il joue Chun-Li, donc un perso qui a un assez bon match-up sur des systèmes. En gros, il reste deux Chun-Li à Honda. Donc, dans tous les cas, c'est des match-ups qui sont pas trop dégueulasses contre le boxeur. Mais des styles, ça va pas être facile du tout à battre cette équipe. Donc, forcément, ils ont envie d'avoir leurs deux chances entre Angel Killa et Marcadet. Des teams. Là pour l'instant, en fait, Angel Killa il a juste envie de tuer toute l'équipe. Et là il est sur le point de mettre un perfect. Ah, d'Alex, bien joué le Lorient pour survivre, mais derrière il encaisse sur moyen pied. Et c'est la fin pour d'Alex. C'est donc le dernier choix de l'équipe DXTeam qui représente la Suisse aujourd'hui et qui va tenter de battre l'équipe des Espagnols. Et pour cela, il faudra qu'il batte d'abord Angel Killa et ensuite Marcadet. C'est possible pour lui, mais ça va pas être facile du tout, encore une fois. Dans les deux cas, c'est des match-ups à peu près équilibrés, en tout cas pas spécialement très favorables pour l'un ou l'autre. Puis Chun-Li boxeur, hein, légèrement pour Chun-Li. Allez, le headbutt en anti-décalage choc. Bonne double touche pour boxeur. Attention, Dashlo qui passe encore une bonne double touche pour boxeur. Attention à la super maintenant, il est passé en réflexe. Il a attendu le kick-off, il a mis une super dedans.
Donc Steve n'a plus ses problèmes à faire en termes de réflexe. Il a fait déjà tout à l'heure contre Max. Et Get Nantel. Il a du mouvement. Get Nantel, c'est vous. Ça marche. Allez, Neckbreaker qui passe. Un deuxième qui passe aussi. Un troisième qui est gardé par contre de Foma. Et qui est derrière. C'est compliqué pour Dave Steve. L'achat. Le gros point Mitty. Ça, c'est vraiment les techniques à l'ancienne de chemise. Le gros point Mitty. MKI, il faisait ça aussi. Allez, l'achat ne peut pas les choper. Sur la super. Dave Steve est prêt à mettre un headbutt dedans s'il faut. Là, Steve peut changer sa super. Le headbutt décalé. Bam, un point de vue dans Frame Trap. Et une expansion de Steve. Ça n'a pas été match pour l'équipe des Espagnols. On porte de la mort. Pour Ankrel Killa. Allez, oh là là, le chopper de l'autre bout de l'écran. Attention, patate de forain. Attention, oh, elle est mauvaise position. Ça, c'est pas bon. T'es chaud, faut utiliser un coup pendant qu'elle est en l'air. Faut pas essayer de la finir au sol. Elle a que 0 frame de récommande au sol, là, chemin, c'est ça. Ouais, petite glisse and chop, patinage artistique, Holiday on Ice et en tentative de NK Fury en garde. Et là c'est compliqué pour Angel Killa. Et il vient jouer la double touche sur ce dash straight de la part de Steve. Et c'est donc le dernier match qui va avoir lieu entre les deux équipes. Et c'est Marc Cadet, un Honda qui a de l'expérience dans le cassage de bouche de boxeur, qui va tenter de se défaire d'un boxeur qui lui aime bien casser la gueule à des Honda. Autant dire que ça va faire des étincelles tout ça. Allez, casse la borne. Allez, c'est parti, de partout entre deux équipes, celui qui remporte ce match qualifie son équipe. On rappelle que c'est en simple élimination, c'est-à-dire que l'équipe qui perd son match là, c'est déjà la fin du tournoi pour elle. C'est la cruauté totale, nous sommes au Japon, nous sommes au Rapan. Et pour l'instant, c'est pas trop mal parti pour Steve. Et Marc Cadet, il a plus d'un tour dans son sac. Allez, la super qui est gaspillée côté Steve. Du coup, Honda va pouvoir se permettre d'attaquer un peu plus et notamment de faire des mille mains. Parce qu'en fait, la super de boxeur est vraiment très très bonne pour casser des recovers de mille mains de Honda. Allez, ça zone au petit point, là faut pas perdre patience, et le dash upper pour une sortie qui est assez claire. Et c'est la balle de match pour l'équipe P1. Allez, ça zone, dash low, la garde est bonne pour l'instant côté Marc Cadet. Marc Cadet qui est en train de charger son turn round punch, mais il vient de se rappeler qu'il jouait Honda et qu'il n'avait pas de turn round punch. Oh, c'est John qui n'en est pas un. Allez, super splash, il est pas cassé, du coup la chope, le mix-up, le moyen pied, il se fait choper. Il y a balle de match pour Steve X, attention. Allez, le dash low qui passe, le deuxième en garde. Allez, dash low en whiff. Attention, c'est compliqué. Allez, patient, il reste plein de temps. Faut pousser à l'erreur. Mais un boxeur qui attend, c'est un boxeur qui charge d'étape. Et à un moment, il va mettre une patate de forain. Allez, mauvaise double touche pour boxeur, ça. Allez, va. Allez, patient, il reste pas beaucoup de temps. Le bas moyen point et marqué. Il a laissé un peu de visibilité sur l'adversaire. Il a laissé pourrir comme de la viande de gibier. Et maintenant, c'est le round final entre les deux équipes. Ça démarre sur des doubles touches dans tous les sens. J'ai l'impression que ça va être serré jusqu'au bout. Allez, Tosco est bien gardé. Ça fait des doubles touches entre les headbutts et les normaux de Honda. C'est trop fou. Allez, Steve qui installe la zoning là. Et maintenant il a sa super. Le boxeur, ça va être compliqué pour Honda. Il peut plus trop faire des mille mains. Oh, le mec à la shop. Le dash low, c'est compliqué. Le dash low encore. Allez, il va falloir un miracle. Il peut faire des Tosco de loin, beaucoup trop. Oh, le c'est maintenant. Il me fait mentir. Oh, il temporise, Et la super, elle s'arrête encore. Il s'arrête. Félicitations, Dave Steve. Ah, c'était chaud. Et l'équipe de Steve X qui se qualifie pour la suite. Allez, je vais rendre l'antenne, je vais laisser les Simornes. Il faut les noms des équipes, c'est... Mais je vais le faire moi, t'inquiète. Ouais. Merci beaucoup. Et me revoilà avec le micro, prêt à vous raconter des salades, pendant que les gens en face se mettent des salades de phalanges sur les bornes. Donc là on va enchaîner avec BLR. BLR et l'autre équipe c'est... Get Nantid. Donc la team BLR en gros c'est une team de Toulousains avec Jago, Bieber et Vovou. Et face à eux la team Get Nanted qui donc est composée de joueurs de Nantes qui sont là pour tuer avec Gwenrock, Objic et Dushni. Donc ouais, des équipes qui font mal. Là, il va y avoir du gros clash. Il y a des strikers des deux côtés de chaque équipe. Ça va envoyer. Attention, c'est parti. Jago côté P2. Donc la team P2 sera la team BLR, pardon. Alors, est-ce que ça veut dire on s'en bat la race? Je sais pas ce que ça veut dire BLR. On va aller beurrer l'arrêt. Beurrer l'arrêt. Ah, c'est génial. Ah, c'est totalement stylé. Beurrer l'arrêt. Ok.
C'est la team PNL, beurrer la récolte. Je sais pas dire que même l'équipe. Allez, c'est parti les gars, c'est à vous. Donc, Duchny, côté P1 pour la team nantaise. Un joueur de vampire et un joueur de jeu musico-arcade aussi. C'était souligné. C'est un mec qui a le rythme dans la peau, mais il joue pas DJ. Il joue boxeur. Et c'est vrai, quand tu joues boxeur, tu vas avoir le rythme dans les jambes. La relevée, plus spéciale overhead. Oh, le dragon. Le dragon est là. C'est parti maintenant. Alors, les shinanigans, non, il fait pas. Jago, première ronde, c'est pas grave, il va se remettre. Il a tenté des trucs un peu fous. On a vu du beau Jago là. Et on va encore en revoir pour ce deuxième round. Ah, mais la poésie 2X, ça va tellement ressembler, c'est bien. J'ai très très hâte de voir au XSB, hein, Zygmunt. Je pense qu'on s'est jamais vu en tournoi. Je vois ton nom sur les Discord depuis maintenant des années. En tournoi, je sais pas si on s'est déjà vu. Allez, ce dragon après un saut vide. Tentative de punition ratée pour Duchny. Oh la super, qui touche Kaïd, c'est dramatique en plus. Celle de Duchny vient toucher ce qu'il faut. Et le dragon universel ne fera pas l'affaire. Duchny qui n'en revient pas. Il n'en revient pas d'avoir tué Jago. Ah là, c'est pas fini, hein, c'est pas fini pour la team à Jago. Ça envoie le dictateur. Le dictateur de Bieber. Allez, 1-0 pour Nantes. Nantes versus Toulouse. Attention, là, c'est le seul dictateur de ce tournoi. Est-ce qu'il s'est un peu échauffé, Duchny, face au dictateur de Bieber? Un dictateur expérimenté aussi. Ça passe, mais pas trop, hein, pour Bieber pour le moment. Oh, la punition, dommage, un petit BMK Fury aurait été tellement plus efficace. Allez, je joue pas. Magnifique. Allez, il joue tranquille, il met la garde. Il a un petit retard à énergie, mais au moins il a maîtrisé sa défense. Et ça lui permet de prendre le round. Face à Duchny, Bieber. Voilà. Hey, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, monsieur Bieber? On n'a pas le droit de rater ça. C'est un tour de simple élimination, monsieur. Hey, c'est bien gardé. C'est pas déchoppé. Là, mort. De toute façon, il n'avait pas assez de vie, à mon avis, pour pouvoir déchoper. Et un partout, on égalise les compteurs à Toulouse. Après, Giro, toujours là dans la place, ça fait plaisir. Un partout, maintenant, on passe sur du Château. Les combos ratés, c'est le meilleur combo du jeu. En fait, c'est un combo de game. Hey, c'est whiffé. Gwendroit, voilà. C'est chopé. BMK rien. Ouh, là, il y avait un petit coup de chimie à la Street 5 à faire, côté de Bieber. Hey, c'est gardé. En fait, c'est une approche pas facile. Hein. Il a réussi à trouver avec la charge au point. Voilà, bien joué. Magnifique. Alors ça, c'est un excellent coup d'éducateur. C'est vraiment un espèce de mur quasi impénétrable. C'est un très bon coup de maîtrise de l'espace. Et Bieber montre qu'il voilà. est en maîtrise totale du jeu. Voilà, face, il a pas fait combo, mais quel dommage. Par contre, on a vu une vraie phase du jeu. Là, ça même. Avec la fameuse phase torche dans le coin qui va atterrir cross-up et permet voilà. de venir mettre du main game. Oh, ça tonte. Oh, j'ai vu, il y a eu de la tonte. Hein. Vous avez vu, monsieur, sur la redescente à faire des gauche-droite, là. Ça, c'est de la tonte. Attention. Attention, ça flex. Ça flex à 2x. Et c'est maintenant Objic qui va devoir sauver son équipe, il chauffe les mains. C'est vrai que la température commence un petit peu à redescendre au Seagos James Game Center. On se réchauffe un peu les mains, la nuit tombe. Et les doseurs sortent la nuit pour se tuer. 2-1 pour l'équipe BLR face à Getlanted. Il y a eu effectivement Kazesan qui pouvait faire des labyrinthes dans le champ de maïs. Mais j'ai l'impression qu'il y a de la privée de joke. Hey, là, je vais mise au sol pour. Voilà. Mise au sol un peu chanceuse là, avec ce mouvement hein, pour Objic. Tout ce qu'il a besoin Objic, de toute façon, c'est une mise au sol hein, sur un dictateur. Voilà. Ça, par contre, c'est pas très bon. Il va rester devant. Il retente pas sa petite phase du round précédent. Bieber maintenant qui doit jouer la camp, hein. Il faut jouer la camp, ça sert à rien de chercher des embrouilles. Ah oui, voilà ça c'est combo et ça tue.
effectivement à chercher des embrouilles à un Honda qui est dans le coin, ça n'a aucun intérêt, surtout quand on a l'avantage à l'énergie. On va essayer de charger une barre Bieber. Des foot si intéressants hein, avec le dictateur hein, quand même. C'est clairement pas le meilleur perso du jeu, mais c'est un personnage qui a des très bonnes armes et puis des combos Touch of Death effroyables pour le moment. Oh là là, le stun. Oui, le stun sur ce 2 hit. Qu'est-ce qu'il trouve là? Allez. Oh oui. Oh oui, il va le tuer. Oh c'est... Oh c'est choc. C'est Whip et c'est choc. C'est Whip et c'est choc et c'est déjà un... C'est un magnifique 3-1. 3-1 pour la team BLR. Rien à dire. Ils ont sorti la team Get Nanted, qui va pouvoir s'appeler maintenant la team Get Sleeped, hein, Get Slept. Allez faire dodo, c'est l'heure de retourner à l'hôtel pour la team Get Nanted déjà. Et oui, pas de loser bracket, hein. Là c'est l'élimination directe. Direct, tu retournes au bar, prendre une cerveza. Et le match suivant. Le match suivant, salut Dissima, on a... Le match suivant, ça va donc être le pot de départ de l'admin versus Jeffrey. Alors, pot de départ de l'admin et Jeffrey. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le pot de départ de l'admin. Jeffrey, remets-nous des dragons. Ah oui, c'était un meme de merde sur internet ça. Donc Xavier, FRZ et Ludorum. Et donc face à eux, le pot de départ de l'admin, je pense que c'est la team Full Man Sense et Data. Allez, il me faut les deux équipes s'il vous plaît. Pot de départ de l'admin et Jeffrey. Donc Full Man, Sems et Data, si je dis pas de bêtises, pour la team code départ. Donc Sems, c'est un ancien. Sems et Data, c'est deux anciens qui ont vraiment disparu hein, du circuit de baston de Zix. Mais Full Man, c'est un mec qui reste dans l'ombre et qui n'hésite pas à se pointer à des petits tournois quand il se passe des petits trucs pas trop loin de chez lui. Donc voilà, un Dalsim très très chaud, hein, Full Man. Data, Old Ryu, assez intéressant aussi, des bons dragons. Et Sems, alors là, Sems, je ne sais pas du tout quel personnage il va. Donc ça va être la petite surprise. Et du côté donc de Jeffrey, remets-nous des dragons. Donc Xavier, le fameux Zangief, hein, le fameux Zangief des Portes de Provence. FRZ, un joueur qui maintenant, donc c'est un ancien joueur toulousain qui maintenant arrive dans la région marseillaise et qui du coup va pouvoir jouer dans la fameuse nouvelle salle d'arcade tenue par l'association Hit Confirme, emmenée par Benji Kwan et Alight Moon et sûrement d'autres staffs que je ne connais pas malheureusement, je m'en excuse. Et Ludorum, donc un joueur ancien, ça fait pas mal de tournois ces dernières années. On l'avait un peu moins vu depuis 3-4 ans, qu'on a relancé tout ce qui était XSB et HFS Factor X. Mais voilà. Ah bah j'ai dit de la merde, alors je vois que Donner s'installe. J'ai rien compris. On m'a pas donné les bons noms. Ah mais non mais c'est pas. Ah oui d'accord, le pot de départ de l'administration française. C'est Soon, Donyan et Touakak. Oulala. Oulala, ça change beaucoup de choses ça. Donc la team pot de départ qui affronte la team Jeffrey. Et bah c'est parti. Ils se sont lancés tout de suite. Pot de départ, Donyan, donc Donyan, ben voilà, un des admins du groupe Discord de 2X France. Et voilà, donc Xavier qui nous a sorti son slip. Alors à l'époque, Xavier il joue un slip noir, mais il est passé sur un slip blanc. Peut-être qu'il a fait sa lessive. Il a enfin pu laver ses slips. Là, c'est compliqué. Oh, magnifique le reversal. Le reversal Lariat est très beau. Et donc 0-0. Oui, très très grosse équipe, hein. La team, l'administration française, c'est une team qu'on est censé voir, j'imagine, jusque dans le top 3 de ce tournoi. Donc on verra bien ce qu'ils vont faire sur un match, sur des matchs simples et limes. Ça va être chaud. Les Windows 93 qui encouragent Xavier. Mais c'est compliqué hein, face à Donyan, c'est un joueur extrêmement solide. Aïe aïe aïe, pas de Lariat, et là ça, c'est fini malheureusement pour Xavier. Je compte sur vous les gars pour partager sur vos réseaux sociaux favoris le lien du stream. Évidemment. Obviously guys, I'm counting on you guys to share the link of the stream from tonight on your favorite social networks guys. Thank you.
Allez, ça saute directement sur Ludorum. Peur de rien, hein, peur de rien du tout, Ludonian. Donc 1-0, il a fait le taf entre guillemets pour son équipe, il a pris un match. Si jamais il perd, il doit pouvoir compter sur ses alliés dans l'équipe. Oh, ce soit HK, très bien trouvé par Ludorum. Il faut une mise au sol, hein. Il faut qu'il trouve un peu des embrouilles. Malheureusement, il se fait punir beaucoup de choses avec les BAMP. Le BAMP, c'est tellement un élément de matchup important pour les Shoto face à Blanca et Honda. Eh bien, je vais la choper multi, spécialité de Ronyan qui s'en sert vraiment très 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 bien. Hey! Le jeu de boule à l'infini, et là c'est les embrouilles. Oh, attention Ludorum qui s'en sort bien, il réussit à repousser l'adversaire. Allez, Ludo, pas de garde, pas de garde ni de dragon chez Donyan. Ludo qui peut peut-être tenter de renverser la situation. La super qui va gratter quelques pixels qui peuvent être salvateurs sur cette phase rude. Attention, décalage shop. Dommage pour Ludorum. Et c'est parti pour la team. Pour la team Jeffrey avec FRZ. Un joueur très costaud. Il a sorti de Marcel pour montrer les muscles. Et il va maintenant les envoyer dans la gueule des sales adversaires, ses muscles. Donyan me paraît un peu plus fragile sur ce point-là. J'espère qu'il va tenir la distance. Maintenant qu'il a déjà battu deux adversaires dans son équipe. Vous avez vu, j'ai fait un petit désert. Il a quand même largement fait le taf. Et maintenant, peut-être qu'il va pouvoir aussi vite la team et être acclamé en grand vainqueur pour son équipe par ses acolytes Soon et bah oui, Touakak. Bah oui, d'autres que Touakak dans l'administration française. Les trois admins historiques de le groupe Discord, hein, c'est eux qui gèrent les tournois, qui gèrent le Discord, qui gèrent plein de choses. Alors ils ont été rejoints récemment par Bazooka, et si je ne pas de Siman qui est avec nous dans le chat. Moi-même, je ne fais plus partie de la gestion de tout ce qui se passe en ligne. Je vais faire une petite. Allez, la balayette, cancel de boule, évidemment. FRZ qui est pas bien là. FRZ, il est un peu dans la sauce. La sauce Arissa, là, ça commence à piquer un peu. Décalage pas chop. Tiger. Il va falloir trouver une autre offensive, il va falloir trouver autre chose que quelques grattes avec des Tigers. Et c'est fini. Quel triste match malheureusement pour l'équipe Jeffrey. Ils n'ont rien pu faire face à Donyan qui a striké tout le monde. Aussi vie pour Donyan. 3-0 pour la team du pot de départ. Bien joué à eux. Le match suivant sans plus tarder. Formule de politesse, les mecs qui disent que l'équipe en oui. Ta gueule Robocop, la prochaine équipe Triple X. Triple X. Et... Ok, donc tu peux pas test. Triple X contre ta gueule Robocop, donc la team de Zargat qui emmène avec lui. Je crois qu'il y a Colux et Max 31. C'est ça, Colux, Max 31, Zargat dans la team ta gueule Robocop. Et face à eux, tu peux pas tester. Je ne comprends pas ce nom d'équipe, hein, mais c'est pas grave. Et on passe à le lien avec le Robocop. C'est parti, messieurs. Le junkin est fait, les joueurs sont là. Ta gueule, Robocop. Triple X. C'est un très très mauvais film, finalement, si je dis pas de bêtises. Pardon, je ne voulais pas juger les goûts des gens qui nous regardent sur le chat. Bon, voilà. Donc là, on vient de passer le deuxième round. Second round. Il n'y a pas de winner, bracket, loser, machin. Mais c'est vrai, d'ailleurs. Donc c'est un tournoi à 12 équipes. Donc là, on est passé tout de suite dans les équipes qui sont. Non, tout de suite. Top 8 maintenant. Ta gueule Robocop avec Zarga, Max 31, Colux. Tu peux pas testo. Je les ai là. C'est Juju Mag, Dex, Alex. Première participation à un tournoi majeur.
et ensuite on aura donc les habitants. Les habitants, je sais pas qui c'est, les habitants. Les habitants. Qui sont les habitants? Bah ça doit être, alors pour le coup ça doit être Fumen, Sems et Data. Je pense. Qui affronteront les Arachnés, ouais, c'est mon équipe, les Arachnés, c'est la Donkeybot, moi-même et. Juju. Allez, tu connais, t'as oublié de jouer. Et P1, la team qui équipe la testo, qui est lancée par Jujumac2x, un joueur assez récent sur Vacade, et assez ancien en offline à Lyon, parce que ça fait 4 ans qu'il joue avec nous lors des rankings qu'on a eu à Game Spirit, maintenant chez Epitech, et puis donc c'est un mec qui a l'expérience de tournoi, mais Colux, c'est un mec qui a encore plus d'expérience de tournoi, parce que c'est un mec qui jouait déjà à l'époque à New Arcadia, donc... T'inquiète, je connais la pression des tournois en simple élimination en équipe. Il en a fait plein dans sa vie. Il n'y a même pas de blizzard braquette, c'est la violence. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud pour Jujumag. Mais bah, pour le moment, il gère bien son deuxième round après avoir largement poussé dans le premier. Là, il est sur du perfect. Il va jouer le match-up à 200% Jujumag. Il va montrer qu'il est capable de se contenir et de ne pas balancer une super juste parce qu'il a la super dans le tiroir. Mais peut-être va-t-il me faire mentir. Je surveille ça. Est-ce qu'il a les charges avant? Est-ce qu'il est en charge avant? Est-ce qu'il est en avant? Non, il n'est pas en avant. Ouais. Allez, voilà, voilà, voilà. Danger sur Juju. Oh, c'est bien ça. Très bonne entière de Juju avec le MK. C'est un entière vraiment très intéressant et trop sous-coté. Mais bon, de toute façon, avec Honda, quand tu as le Doskoï chargé, pourquoi tu irais faire un entière aussi compliqué que pour MK? Il pas MK, c'est un si je dis pas de bêtises. J'en dis bien assez comme ça, de bêtises. Elle est revenue dans son match, en tout cas l'ami Jujumag. Ah, il est bien dans son match, peut-être qu'il va pouvoir sortir Colux, ce qui est une performance vraiment hein, pour malgré un match-up aussi. Ça serait une performance pour Juju. La super, voilà, il a utilisé une super intéressante, mais c'est magnifique. Une vraie bonne super de Jujumag 2X. Bien joué Juju. Allez, première perf pour Juju, qui sort un ami d'expérience, et maintenant il va sortir un ami d'expérience, en la personne de Zargat. Ils se sont affrontés des centaines de fois, si ce n'est pas un millier de fois. Allez Juju! Ils se connaissent bien, Zargat connaît les faiblesses de Juju, et Juju connaît les forces de Zargat, j'ai envie de dire. Allez, le gros. Le commentateur a pris parti. Ne te déconcentre pas. Voilà! Ouais, c'est bien ça, Zargat. Putain. Hey! Allez, Juju qui réussit à pousser Zargat dans le coin. Le MP! Ouais, c'était intéressant cette phase. Ça a rajouté de la grappe quasi gratuite. C'est une super pas trop mal utilisée là par on peut moins bien l'utiliser encore cette super là. C'était surprenant je pense pour Zargat de prendre HP et directement Doskoï derrière. C'était plutôt intéressant, vraiment. Ça aurait pu surprendre. Doskoï, aïe aïe aïe, il n'y a pas eu 3 hits. Il n'y a pas eu 3 hits de Zargat, excusez-moi pour la saturation et l'état de vos tympans, vous qui nous regardez à la maison. On pas Juju, il n'y a pas trop d'ouverture, Zargat ferme bien le match-up avec des entières qui font double touche. Alors il n'est pas forcément à l'avantage techniquement sur les points de vue de la double touche, mais il a tellement d'avantages à énergie qu'il s'en bat la race. Donc pour lui il est BLR, voilà, on s'en bat la race pour le vrai Zargat. Et un partout entre les deux équipes. Ça va le chat, le son, l'image, vous êtes bien installé, vous avez des chips, des bières? Ne vous inquiétez pas, nous aussi on est hyper bien installés au James Game Center. On a des boissons à un tarif ultra raisonnable, sa mère. Bon, en gros, on se met des bonnes pintes pour 1 ou 2 euros maximum en fonction si c'est de la sangria ou pas. Autant vous dire que c'est les mêmes tarots que l'Espagne, autant vous dire qu'on est heureux. Allez, le HK entier sur Dalex. Allez, est-ce que Dalex va faire un exploit contre Zargat? Ah, il n'a pas été chercher tout de suite les embrouilles. Il n'a pas cherché trop la mer. Après, il a avantage d'énergie, mais bon, laisser une Johnny construire une barre de super, c'est pas forcément rentable sur la barre à l'énergie. Oh oui, oh non, j'ai vraiment cru que la super allait être cassée par le Lariat, mais non.
Zarnath qui prend l'avantage sur Dalex. Le son des commentaires est un peu faible, mais je vais mettre mon ouais, ouais, ils vont être faibles ces commentaires. Ouais. Voilà. Joey Gillian, merci pour ton retour. Voilà. Super ouais, mais tu sais, les gens ne boivent pas d'alcool avant le tournoi. Ouais, on boit pas d'alcool, on boit de l'alcool après le tournoi. On boit une fois qu'on est en loser. On fera des petits pop comme si tu peux m'en envoyer à 15 ans. Oh, ça me couche. 2-1, Zarnath qui est en train de finir le travail pour son équipe. À moins qu'il ne s'effondre face au mur. Le mur helvétique. C'est avec des XTVX. Allez, il a bien mérité son petit flag suisse. Ouais. Allez, c'est. Ouais, ouais, c'est ouais, par contre, ça, c'est pas une bonne mise au sol hein, pour allez, Steve, ouais, qui se fait choper sans déchop. Attention aux Zarnath, marche de l'empereur. Le one, allez, le one pour charger de la furie un peu. Ah, il lui faut une barre de furie, hein. C'est dramatique s'il n'arrive pas à charger une barre de furie. Steve, attention! Oh oui, le headbutt! Le headbutt qui sort peut-être, Steve! Ouais. Oh bien joué, cet anti-cross-up, c'est une espèce d'anti. Arrête de faire n'importe quoi, je te tue. Ah bah oui, mettre un visage sur des noms, c'est tellement la vraie vie. Je ne savais pas à quoi ressemblait. Bah, j'ai rencontré le stage là, j'ai rencontré. Comment il s'appelle D'Alex hein, qui était là juste avant. J'ai rencontré tellement de gens que je n'avais jamais vu. Ouais. Avant. Allez, c'est pour lier. Oh. Allez, c'est bon. Allez, super. Lui aussi. Non, c'est bon. Non, c'est la vraie vie de façon. Ouais, magnifique, derrière. Bien joué, Zarnath. Joli, bien joué. Un week-end complet avec des gens, en fait, c'est là vraiment que tu t'éclates, c'est là que tu papotes et tout, c'est génial. C'est génial. Il faut venir au tournoi, les gars. Comment ça vous fait les commentaires? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu ne m'entends plus, Justin? Des losers, ça aurait pu faire. Mais très loin. Ce serait pas mon temps. Non. Je monte le son du. Est-ce que c'est mon micro qui est en train de décéder? Je mets un petit peu d'ampli, je vais pas en mettre trop, hein, mais j'ai mis un peu d'ampli, je veux pas vous exploser les oreilles. Oui, mon son est plus faible. J'ai un peu mis du dB là. Allez, j'ai rajouté des dB. Ça va vous faire plaisir. Allez, on envoie le match suivant. Je vois Nashka après Jayboard. Est-ce qu'on va enfin voir Nashka sur le stream? Joueuse ultra prometteuse pour la commune. Elle pas sous-estimée, elle progresse à une vitesse de ouf. Beaucoup d'équipes, alors en fait, pour les matchs, c'est des cartes. C'est très faible. Solant. Oui, moi, son est plus faible. Putain, mais c'est un peu. Sur votre lecteur Twitch. Prochain match, on envoie. C'est tout le jeu. Allez, ça joue. Donc là, c'est deux, c'est les habitants contre les arachnides. Et donc, ça veut dire que je joue. Les habitants, c'est qui? Les habitants! Les habitants, s'il vous plaît! Ah, bah voilà, donc Fullman, Sems et Data. Si t'as fini deuxième au tournoi dans le Chibot, c'est tooi qui fais le Janken. Janken Pan. Donc, Hour, Banchibot, Fullman, Data et Sems. J'imagine qu'on est en Sems en premier. C'est le moins expérimenté actuellement. On va gagner. Ouais, ouais. Putain, on gagne le junket. Excusez-moi pour vos oreilles à la maison. Là, c'est le son de la cam. Mais c'est impossible le son de la cam. C'est horrible. Ça casse les couilles. Je vais réussir à gérer ce problème. Bon. Écoutez. Je sais pas. Si je fais ça, ça va être pas. Putain, mais pourquoi j'ai désactivé le son de la cam? C'est quoi ça? Je vous préviens vraiment, baissez un peu le son, vous qui êtes chez vous. Ok. Et bah dans Gf P2, tu veux y aller? J'y vais ou tu vas, François? Dans Gf, tu veux que j'y aille? Ouais, je peux y aller comme ça.
On va pas faire un miroir Zangief. Bon, vas-y, j'y vais cash. Ouais, allez, j'y vais cash. Je vous laisse avec le stream. Donc, la team. Y'a pas un commentaire ? La team, on a dit. Putain, j'ai déjà bouffé les noms. Donc, les habitants contre Arslip. Allez, c'est parti. Habitants contre Arslip. Je laisse le commentaire à quelqu'un. Bon match. Bonsoir messieurs dames. Nous allons assister à un match étonnant. Ce match va vous étonner. Le troisième match va vous étonner. Putain, le perso qui pourrit du jeu contre Zangief, le meilleur du jeu. Voilà. On connaît le match-up 20-0. On a un vert direct d'entrée de jeu. Ouais, on met sa garde tranquillement. Putain, ouais, ça bien. Ça, c'est génial ça. Ça, c'est du Zangief. Ouais. Ah, la chope a raté. Sur la pression dans le coin. Ah, il a tenté le coup, mais dans le coup de directement. Ah, la pression visiblement on est tout puissant pour le coup. Ah, c'est ça, la technique pour sortir du coin. Ça se teste. Oh, c'est beau ce pied moyen. Oh, c'est bon. Ah, allez, putain de merde. Oh là, oh là, d'entrée, je le super. Pas grave, t'es tanky. Allez, Zangief, viens, balayette. Oh, il peut mettre sa garde. Oh, là, il est coincé dans le coin là. Oh, un petit point, c'est beau. Ouais, ah, c'est ça. Bien joué, Balrog. Le deuxième joueur, les gars, le deuxième joueur. Ça réfléchit. Je crois qu'ils ont tous peur des immenses. Ah, Zangief. De toute façon, on les verra pas. Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Mais t'es con, qu'est-ce que tu veux ? Vas-y, vas-y. Vas-y, vite. Non, je mène à tout un stade pour gagner. Tu gagnes. Le capitaine, là-haut. Oh là là, un match de top tier, ça va être chaud, chaud les marrons. Oh, tout que ce qu'on peut faire. Hey, oh là, c'est de merde. La pression du Zimorn, ça. Oh là là. J'ai joué ça. Hey. Ah, dans les airs. Très difficile pour Vassim. Ouais. Attaque, Vassim contre attaque. Voilà, oui, c'est bon. Oh, il commence à prendre ses marques. Et oui, voilà. Oh oui, il enchaîne. Boum. Oh, il avait moins d'idées. Je sens que le super va sortir. Oui. Ça commence par la chope, c'est bien. Pression. Fais ça! Oui! Dalsim est perdu là dans le système de jeu. Ah, y'a rien de Balrog. Oh, yes! Oh, c'est très bon, c'est bon, tu es magnifique! Oh là là! Oui, on a la pression au coin, vas-y, continue! Allez! Quelle garde! Très bonne garde! Oh, il l'attendait! Très très bien joué, Balrog! T'avais le dragon invincible. Là on va passer à l'artillerie lourde. Et un dragon de pied. Malrog fera le moins le mal. C'est notre mur. Oh là là, on a du manque de Ryu. Raté. Voilà. La super est chargée. Balrog va s'amuser à sauter.
Oui, pression dans le coin. Parfait. Très bonne garde de Ryu. Ouais, ouais, allez. Ah, putain, la pression Balrog est très difficile à supporter. Très bonne boule. Aïe, aïe. Ça, c'est le coin opéré de Isigor. Très bien joué. Bien joué, les gars. Putain, il a striké toute l'équipe à lui tout seul. Bien, ouais, je. Ouais, bien joué. Allez, on continue. On continue. Allez, je reprends mon micro. Ah, je reprends mon micro de la bagarre. La fin pouvait vous surprendre. Exactement. La fin, moi, m'a bien surpris. Sems, je pensais pas qu'il avait une promesse comme ça pour jouer. Il était chaud, Sems, fallait faire gaffe. Il faisait des coups de tête. J'en ai pas pris aussi. Si tu veux commenter, Ours, je te laisse commenter, à toi. C'est quoi les équipes? Hein? C'est quoi les équipes? Bah, tu les as toutes là autour là. Alors attends, je t'affiche si tu veux un peu. Là, le. Prochain match, on va avoir deux top tiers and one DJ contre BLR. Donc les top tiers et un DJ, c'est Nashka, Xilo et Geronimo. Et BLR, et ben c'est Vovo, Bieber et Jago. Faut que tu parles fort par contre. Okay, tu parles fort. Il semblerait que le son il soit là, mais ça ne va pas du tout. Ça. C'est le son de la cam. C'est le son de la cam. Ça va pas du tout. Faut que je corrige ça du tout. Ça va pas du tout. C'est comment je corrige ça? Périphérique. Allez, mon HK. Tu connais. Allez, mon HK. C'est des paramètres audio en fait. Ouais, mais en fait, je sais pas pourquoi c'est. Ça. Ça fait écho. Chopper qui ramène Yago dans le coin, il va falloir faire quelque chose. Il est en train de faire qui continue de toucher. La balayette, ça continue les embrouilles avec le Tatsu. Oh, le BMK qui viendra mettre fin aux espoirs de Yago de remonter. Ça fait 1-0. 1-0. De top tier en moine DJ qui mène la danse. On envoie Bieber côté BLR. Allez, Zio. Le BMP là dans les tentatives de torche et de. Allez, Colu. Le scissors kick. C'est ça. Le boxeur qui en a profité pour mettre Bieber dans le champ. La Bieber passe, ça donne une transformation. Comment il passe pas, ça va pas le voir. Stun, attention, le 0 vital. Ça va pas tuer.
Son HK, bonne idée. C'est bien gardé de la part de Xilo. Oh, ça se rapproche, ça marche dans l'empereur, la double touche, mais qui est pas favorable à la team BLR. Xilo prend ce premier round. Headbutt trouvé. Encore une carotte avec le headbutt qui a bien été délayé. Pression tout de suite dans le coin, un double touche vraiment à l'avantage de boxeur là. Qui met une énorme pression, mais il y a un bon scissors qui vient peut-être pouvoir permettre quelque chose. Ah, et la bonne chope qui est trouvée. Il a tenté là, une deuxième chope encore une fois, mais bon headbutt vigilant de Xilo. Voilà, les MP en troisième, voilà. Pas de super, mais ça se rapproche grâce à la glissade. Ouh, la chope derrière. Et on oh, magnifique. Très très bien joué de la part de Bieber. Le martel Bieber. Là je vais pas se rapprocher, il n'y a pas eu de chop, il n'y a pas tenté. Oh, ce saut HK qui vient taper le dos du scissor ski. Et ça continue la pression. La super regardée, ça va pas tuer, quelles vont être les options derrière. Pas gros point, magnifique sur la deuxième partie. Allez, ça tue là. Il a super bien gardé, vraiment bien joué. Allez, le scissor ski qui touche, c'est bon. Oh ça, malheureusement, ça connecte pas. Voilà, là, il a pas touché. Xilo, son équipe s'envole. Tout obtient un DJ qui met maintenant 2-0 le match de BLR. Et ça envoie. La blanquette. La blanquette. Exactement. Je dis Banshee derrière moi. Mais il y a moyen de faire des bonnes embrouilles. Malheureusement, voilà, hein, les dash, enfin les rolls de Mortal Touch, elles peuvent être punies, c'est compliqué. Ah, il a tenté une bonne 40 là en se rapprochant avec la roll pour venir choper. Nice. Bonne glissade du singe dans le startup. Yeah oui, c'est ce mot qui chope bien. Et au bout. Et voilà, c'est ça. Avec la roll, on se rapproche et on vient croquer tel un biscuit apéritif. Xilo. Voilà. Pas d'embrouille. Bouffu la tête. Là, les bons dash hein, qui sont bien utilisés là de la part de Wovu. C'est à toi, Wovu. Allez. Elle a trop baissé là. Bonne défense hein, côté Wovu, même s'il y a un petit retard à l'énergie. Il rend des belles choses là. Ah, il n'arrive pas malheureusement. Voilà. Faire quelque chose qui pourrait lui permettre de faire une bonne embrouillée, pourquoi pas un stun là qui permettrait d'appuyer sur le porté de rang. Vas-y, super regardé, il n'y a pas de trou dedans malheureusement. Ah, il a tenté un décalage, enfin dash shot malheureusement, vigilant. Xilo. Et Xilo donc qui offre 2 balles de match à son équipe. Ouais, là, bon décalage shot, là c'est bien. Il retente encore des carottes. Mettez plus de touche à du singe, malheureusement la chope défensive bien trouvée de la part de Xilo. Ouais. Allez, le Mais qui passe, le dash low, c'est compliqué. Allez, voilà, allez, ça part de là. C'est maintenant. C'est maintenant le stun. Oh, la charge. Oh, le gros sac hit qu'il a fait. Le strike, bien trouvé. Bien trouvé par Xilo. Sort du tournoi, la team BLR composée de Wovu, Bieber et Yago. De leur côté, Nashka et Geronimo n'auront même pas eu à poser leurs fesses sur le banc. On n'a même pas besoin de jouer. 5 silos suffit. Prochain match. Un kebab pour un troisième joueur contre le pot de départ de l'administration française. Ok, donc le pot de départ de l'administration française contre un kebab pour le troisième joueur. L'administration française qu'on ne présente plus, composée de Danian, de Twakak et de Soon. Salade team. Un kebab pour un troisième joueur, Septa, Tupou, et malheureusement, je n'arrive pas à lire le dernier nom. J'arrive, attends, je te dis. Tu veux quoi? Kebab pour un troisième joueur. Ils sont... Septa, Tupou, oui. Ah ben non, c'est Septa Tuco avec en plus la fusion de la team où ils sont que deux aussi. Blackmane et Q's. Ah d'accord, ok, donc c'est une fusion d'équipe. Ouais, c'est une fusion d'équipe, ils sont 4 et il n'y en a que 3 qui peuvent jouer. Très bien, donc on m'informe, donc c'est une fusion d'équipe, 4 joueurs, donc 2 équipes ont fusionné, ils sont 4, mais il n'y en a que 3 qui peuvent jouer. Les joueurs doivent être annoncés au début du match.
Tu vas pour un troisième joueur, donc Septal, Blackmail, Itius, face à l'administration française. Le Janken est effectué. Ça fait des mind games. Là, ça fait des mind games de sélection des personnages. Il va falloir embrouiller. Hein, les premiers picks sont importants. Blackmail, go! Okay, c'est un Pokémon Blackmail? Je sais pas, il a dit Blackmail, go. Blackmail, attaque SPD! Allez, Blackmail! Oh ah, putain! Fais-le! Main, slip lyonnais, contre le Boris! Sassoon, rive bordelaise! Utilise ta crinière! Avec Soud! Ah, j'ai le Zangief. C'est vrai, il doit y avoir un deuxième Zangief dans l'équipe. Tente des HK entières. Bonne mise. Voilà, derrière, il y a le bon Lariat qui a été trouvé sur dans un start-up de Crystal Roll. Et donc Blackmail qui est obligé de jouer Old Zangief parce qu'il y a déjà un Zangief dans sa team. Tout à fait, voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. Ah, pardon, excuse-moi, j'écoute pas. Je suis un mauvais suiveur de Twitch. Je n'écoute pas ce que disent les gens avant. Ah, ça combote pas Soon là. Oh oh. Bah MK, bah MP. Ça revient un peu dans le blanc des yeux. Barre de vie très similaire. Petit avantage pour Soon. Ah, oui, c'est bonsoir en MP. Voilà. Mais c'est ça, putain. Hier, Soon avant MP aura été déterminant sur le Barcelona de Soon. Tue-le. Fais-le. Ok, fais-le. Donc sur HK, derrière ça va pas connecté. Petit cristal, il sort de gratter encore un petit peu, quelques points de vie. Lariat dans le vent, qui retard à l'énergie, un Soon qui est quand même connu pour son très gros jeu au sol et c'est très bon, voilà, c'est bon anti-air, hein, sans utiliser de spéciaux, les HK. Ça, c'est du zone gap. Très bon Lariat trouvé de la part de Blackmail. Ah, voilà, tu vas le retard. À l'énergie est plutôt immense, c'est vrai, il suffira d'un grattage. Et ce sera une belle vista sur les passions. Ça te permet de recoller un round partout. Le duel de Normo au sol. Vraiment pas à l'avantage du slip, mais il y a moyen de faire quelque chose. Voilà. Enfin, les bons MP, pardon, pour dire qu'ils sont trouvés de part de Blackmail. Se rapprocher, essayer de faire quelque chose. Ouais. Oh, il y avait peut-être quelque chose là, qui était possible. Il était à portée de 3-6 avec Cliff, mais il n'y aura rien eu là, côté ouais. Oh, là, bon. Oh, 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 oh. Ça compte deux points. Allez, c'est bon, c'est la date, c'est facile. Voilà. Tout de suite la balayette. Franchement, t'as gagné deux points de match-up entre les deux là. Quel hype. Ouais, ça sort de l'ours, là, qui est trouvé. Oh non. Vraiment. Il était pas gentil ce stun là. Oh non. Ah, il va y être méchant. Toka qui va pas faire dans la dentelle. Salut Tom. Bonne utilisation du arrière LP là de la part de Toka. Excellent tir. Vraiment bien maîtrisé. Ah ouais. Voilà, on a le team. C'est risqué de pouvoir se rapprocher avec le Lariat. Il peut y avoir des HP là-dedans, enfin des HP. Ouais. Le super qui va être gardé, mais voilà, gros retard à l'énergie, il va falloir faire quelque chose. Rien n'approche, mais malheureusement c'est une double touche. Et encore une fois, voilà, ça va gratter petit à petit. Ce sera là, MP qui va sortir le Black Main. Extrêmement bien joué par un groupe ici. Il va encore en faire un gros match. Ouais! Alors, on délibère, on va dire. Allez, vas-y. Ok.
ça va. Allez, cue. Vous ne me touchez pas. Je connais le match-up, cue. Si on perd, on voit tout de suite. À l'hôtel. Match-up déjà moins un sens unique que le Zangief, c'est sûr. Le loop de choc est trouvé. Oh. Allez! Oh ça! Bon, t'as un bel avantage là. Voilà, il a. Voilà pris, mais qu'est-ce qu'il connaît, toi, catch! Allez, ben, ici. Il utilise bien le saut arrière pour fuir en dehors de la portée de l'Ouest. Il a tenté une super, mais toi, tu es vigilant sur son saut arrière qui utilisera bien le MK. Direct en zombie, c'est un gros à la suite. Voilà! Oh, il la chope pour tout de suite mettre dans le coin. Il va pouvoir mettre un pressing peut-être de la part de Toikak. Ah, il va rester non, défensif. Il va se contenter de punir à juste titre de l'utilisation des normaux. Et ça peut remonter, voilà. Ouais, c'est une balayette, la qui est trouvée. Voilà! On pourra renommer la team P2 la team Grande Gueule, voilà. Grâce à Blackmail. Les Grandes Gueules, exactement. Oh, oui, c'est beau ça. Oh là là, t'es le meilleur, vas-y. Il a perdu. Il a perdu. Il a perdu. Défense d'ici, attendez. Encore une chope de toi, Kak. Voilà, dis donc. Les autres boutons, c'est surfait. Pourquoi faire autre chose alors qu'on peut choper? Mais oui. Avant MP pour peut-être une chope, mais non. C'est compliqué, c'est compliqué. Le meilleur. Et ça envoie. Vas-y, ramène-toi. Le Zangief, qui est la raison pour laquelle Blackmail avait choisi le hold. Le slip. Le slip de Marav, c'est que... Allez, Tuco. Ouais. Tuco, le fou parisien. Exactement. Oh, tenter une carte là avec un 3-6, mais alors il était hors de range. Évidemment, ça utilise bien les sauts arrière défensifs de la part de Toikak. Très compliqué de pouvoir s'approcher. Déjà. Oh, oh, c'est ça, allez, oh, allez. Maintenant. Oh, la main verte, bien. Tire. Il n'y a pas le slip noir. Oh, il va falloir faire quelque chose, il a tenté un arrière. Ah, de toi, Jack. Allez, balle de match, toi, Jack. En dessous de la ceinture. Allez, malheureusement, il va falloir se rapprocher. Toi, Jack, il peut maintenir facilement. Enfin, facilement, il peut maintenir à distance son adversaire, pardon. Essayer de se rapprocher pour tenter quelque chose. La double touche, c'est bien, qui permet à Zangief de sortir de ce pressing infernal qui lui a été imposé de la part de Toikak depuis le début du round. Bravo, oh, ouais, c'est bon, il a perdu. Allez, il tente un premier mind. Oh, il a pas tenté. Oh, il a eu peur. Pauvre, il faut rester. Comment t'as eu peur? Oh là là. Il a senti la peur, il n'a pas osé sauter sur Toikak, il n'a pas cherché le mix-up quoi. Et Tuco, et Tuco. Je me dis 300 balles et sur française. Il va passer au tour suivant. Félicitations à eux. T'as joué, gars. Ils n'auront pas eu besoin d'envoyer Tiger. Tiger Robocop contre les Arachlip. Eh bien, ça va être à nous de jouer. Les Tiger Robocop contre les Arachlip. Et donc, on va partir à la recherche d'un autre commentateur. Merci à tous de nous suivre. Ouais, ça va être chaud là, le match qui nous arrive dans la gueule, le cash, on va avoir la team Zargat, Pollux et Max 31, il va falloir qu'on tape dedans, Banshee Bot là, on va les bouffer. On va les bouffer là, ces teams là de mecs qui gagnent des tournois insupportables là. Et voilà. Et voilà. Allez, c'est parti. Donc Janken, je te laisse faire Janken avec Zargat et Pollux et Max 31. Banshee Bot qui joue la carte du capitaine de l'équipe des Arachlip, la team historique française Tiger Robocop, toujours menée par Zargat. Ils vont avoir fort à faire, les petits loups.
Je laisse le micro peut-être à Donyan, je sens que Donyan me regarde, il veut le micro. Allez, je te laisse pour parler un peu fort parce que... Ouais, ça roule. Parce que c'est, mon stream c'est de la merde. Mais ça marche bien. Mais non, mais ça marche bien. Mon stream c'est de la merde, mais il marche bien. Bonsoir, bonsoir. Allez, on y va, la Janken, c'est pas les couilles! Il y a quelqu'un sur place, mon verre. Non, il n'y a pas Ken Bogard, mon verre. Il n'y a pas. Vas-y, vas-y, vas-y. On entend très bien, nickel, nickel. Avec une équipe de écoutez, on est là. On est là. Alors que ça, Janken, nous a annoncé notre projet. Et que, voilà. Et ça s'arrête déjà au moment du Janken, du coup, la team. Non, j'ai perdu. Ah, merci! Je vous envoie la chair à canon. Oui, d'accord, tout le monde. Allez, c'est parti. Alors, c'est quoi les noms, s'il vous plaît? Donc bah c'est bon puisque Tagle Robocop P2 et Arashi P1. Arashi P1, donc la team Tagle Robocop donc avec Zargat et les deux rescapés du coup du naufrage du 4x4 de Colux du coup qui sont Max et Colux lui-même du coup face à les Arashi Slip. Allez Colux. La team composée de Bunchy Bones, Easyman et Hour, c'est parti. Le premier match qu'ils ont proposé Easyman à Colux dans un match-up. Max. C'est ça, il y a la Max. Il est là, Max. On a bien cru qu'il ne parviendrait jamais parmi nous. Directement. Voilà, voilà l'arrière pour casser Into Barcelona. Le pressing, voilà, incroyable, la rolling, du moins ici. Les lariats ici pour casser le Superman Punch bien de la part de Colus, qui a sans doute déjà affronté un certain Spiritman. Il connaît un peu le match-up quand même. Ça va bien joué ici. Là, direct dans l'Istab. Et combo sur la en rolling. Easyman ici. Colux qui est encouragé par son teammate Zargat. Bien joué, la carotte bien punie par un 3-6. Il avance avec la main verte. T'as bon, faire le gros, quand même. Évidemment, inexorable de Easyman avec la touche qui va faire mal puisque derrière c'est déjà Easyman. Et ça retouche. Non, c'est bon, la garde est enfin mise. Un retour de sel pour tenter une phase, mais il s'est éloigné de l'arrière de Easyman, ce qui était une bonne solution. Double touche ici, into Superman Punch 2-0. Et le lariat derrière. Il va tenter de carotter des trucs là avec sa saut. Malheureusement, le saut ne passera pas à la ceinture en gratte. Bien joué, Easyman. Un premier point pour son équipe. Les Anguitan. Tu connais. Parle fortement parce que les autres braillent fort. Oui, on est à Epitech là. Allez, Ricky, comment ça va, Ricky? Allez. Donc là, c'est Zarga du coup qui prend place, hein, le taulier donc de... Ça y est, il a enlevé ses trucs là. C'est la dose qui fait face à son comparse, compatriote de toujours. Donc un match-up que les deux ont disputé un milliard de fois. Alors que Easyman, Allez, Zarga. Et on est parti du coup. Directement ici, on est en direct de Segos évidemment pour ceux qui nous suivent. Donc on a Ondose et à côté il y a des champs de maïs, c'est trop bien. On va résumer ça comme ça. HK, bien joué. Anti, tentative d'agression au Barcelona. Soirée HK, tu ne quittes pas les airs monsieur. Voilà, une chemise très axée. Oh là là. C'est dans sa tête. Mais perfect. Il a fait du coup de l'acoustique de l'endroit. Voilà, il dit 4 Kizan ou 4 Kizan. Et voilà, ici il va pas mettre le 3ème hit, mais plutôt tenter un mix-up qui n'était pas totalement ambigu. Il nous habitue un peu mieux. François ici, voilà, il va poser son pas cul, le match-up. Tenter des trucs. Voilà, la glissade c'est pas mal. Voilà. Tentative de mix-up, mais il essaie de carotter du coin entier. Ça n'aura pas lieu. Zargat totalement stoïque ici. Et ça tente de bouger un petit peu dans tous les sens, de tâter le terrain. Voilà, dommage, il aurait pu punir les mi-pieds, je pense, ici. Easyman, voilà, bien joué là le staff de l'autre bout. Oui, c'est ça. J'ai pas des trous. Et Easyman, ça m'énerve devant son écran. Allez, c'est toujours donc balle d'égalisation pour Zargat et balle de 2-0 pour du coup pour Easyman. Ouais. Les arraches lip. 360 MP. Pressing qui est bon cancel par un early stab du coup. Bien. Ça va, décalage balayette. Un saut HK qui va faire mouche ici pour Zargat. Recul de la part de Easyman qui essaye de rassembler ses pièces. Rien simple. Quitte le sol. Choc raté, mais derrière il attrape avec MP. Bien vu, c'est un 1 partout. Zargat qui recolle au score et qui sort un très gros chevalier de la team adverse. Avec Hour qui pose ses fesses sur le tabouret. Hour, Zangief Nantais,
magnifique BV t-shirt. On voit, si on voit un peu son t-shirt, vous voyez, c'est New Kids Motherfuckers, du coup. Dédicace à ceux qui ont eu la VHS de Pinbou quand ils étaient gamins. Allez, non à mon Insta. Un peu en retard, mais j'ai bien. D'accord. Merci Crack Ryan, la magie germaine, c'est ça. Target le magicien germain, le cousin germain peut-être, on ne sait pas. Et dans un match-up qui est compliqué quand même pour avoir, on va fort à faire avec ce slip couleur TMF. Ici MK pour contrôler l'espace anti-air, un petit bas MK, il va tenter de garder des trucs de Zargat, mais quand même se reculer au bout d'un moment. La boule voilà, bien contrôlée, ce stade-là vraiment, il va pas vraiment faire l'Ariat. Une balette qui est trouvée, un tic trop. Oui, voilà, il a placé la Max Puni avec le bon confirme derrière. Et le Power qui met le. Oui, merci Lédé. Ouais, j'étais au bout du slip à ce moment-là. Compliqué, long tournoi. Mais merci beaucoup. Excellent round de la part de Hour qui est bien fait entendre le son de sa voix. Très stoïque, Sim va vraiment essayer de jauger un peu le déplacement de la Chun-Li en face pour essayer de trouver une solution, une arnaque aussi bien jouée. Voilà, la main verte pour empêcher Chun-Li de quitter le sol, ça peut casser un spinning board notamment. Et il va attaquer pour sortir du coin. Lariat, on passe à travers la boule. Hour qui va vraiment essayer de tâter le terrain petit à petit, de gagner voilà, des morceaux de terrain pour voilà, passer un coin. Voilà, les mid-PSI qui sont un peu un mur hein, dans ce jeu, on rappelle. Et voilà, bien joué. Oui, marque un deuxième point, mais attention, tu vas manger, j'abandonne. C'est la team qui est bah, du coup Zargat plus des gens en général. Hein. On résume cette team comme ça à peu près. Là, du coup, ces gens-là, bah, c'est Max et Columbus. Rien que ça, quoi. Des bons choix, pas trop mal. Donc, on est vraiment, ce n'est que euphémisme. Max, vainqueur du solo de tout à l'heure. Dans une finale absolument flamboyante contre Banshee-Bot qui va ici s'élancer dans ce match. Pour le moment, le tac aussi qui va bien passer, le dragon safe pour se safeiser. Zargat et Max ensemble, bonne bande de salauds. Bah, Zargat il fait, voilà, il fait toujours le Barça, hein, de toute façon, quand il fait des équipes sur 2x, il fait pas semblant le bougre. Bien joué, voilà le. Spiral Arrow ici qui casse un stack, on l'a vu. Allez, là il faut tenter quelque chose, dommage, il a voulu phaser mais il s'est avancé un peu tôt, du coup il a bouffé dragon. Là, il a tenté d'avancer un petit peu. Dommage, là c'est ce qui se rappelle. Voilà, on voit il peste un peu mais il reste concentré notre ami Hour. Contre. C'est du FT1 en rappel, donc vraiment voilà, Max peut tout à fait se faire escroquer. Hour l'entend bien de cette oreille-là, lui, deux double trucs d'affilée, on voit qu'au niveau de la vie, ça coûtait similaire, petit avantage de vie à la Camille hein, qui va bourrer du coup, enfin toujours harassé avec les bas MK, hein, vraiment il n'y a pas vraiment de solution dans ce match-up, à part cette stade MK, voilà, qu'il va essayer de faire ici. Et il y a encore un stade MK qui essaie un peu, voilà, le décalage, on dirait. Allez, Hour, je vais tenter la phase du saut vide, c'est raté, et le grattage à Novotisco Parasman, c'est ça, ouais, c'est ça, arrêtez de voir ça. Et c'est un 2 partout, et c'est maintenant, bah, du coup, un remake, aussitôt dans le tournoi. Toi, Banshee, tu le reprends juste le match que t'as avec gagné en finale. Bot. Les autres sont en Banshee-Boto. Voilà, Lyonnais, la Chinois, 69 Latrique, capitale de la funk. Contre. Max du 31 qui n'est plus vraiment dans le 31 lui-même, d'ailleurs il s'appelle plus que Max d'ailleurs. Donc quelque part c'est fait. C'est parti. Allez. Son coin du coup. Enfin, le saut HP qui n'a pas été entier, hein, vraiment ça a l'air difficile, un peu compliqué en tir ce truc-là. Pour Camille. Voilà, le saut HP encore une fois qui fait mouche. Il va être ici, il va tenter de glisser encore une fois, vraiment essayer de viser la mise au sol le plus tôt possible à Banshee-Bot. Ouais. Prends le décalage du HP, c'est bien vu, c'est bien senti, le calcul derrière. Oui, ça, c'est pas cool. Voilà. Mais cette fois-ci. Allez, pour toi, allez, pour toi. Est là. C'est que le deuxième tour. Je crois que. Oui, c'est le deuxième tour. Si, ouais, normalement, c'est le deuxième tour. Le Barça. Non, c'est pas le Barça, c'est le PSG. Oui, Ricky, mais si tu veux, ma culture footballistique est égale à la hauteur dans la tirade de Lutio. Même de Bordeaux, le Blanquette. Hey, hey. Voilà, un petit link ici de la part de Max.
Voilà, même si pressing de normaux de la part de Banshee qui va essayer de se retrouver du coin, il va tenter de phaser. Enfin, il touche pas. Onze équipes, simple lim, c'est ça. Oui, c'est bientôt la fin. Ça va devenir très 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 vite. Là, ça va s'accélérer à partir du prochain round. Et voilà, directement la choc en cassé. Ouais, ce soir, il y a un cap, bien punir, tenter. Voilà, bien joué. C'est soit un cas vraiment à une certaine distance qui empêche Camille vraiment d'agir, de faire des hooligans trop, ou bien même des... Comment dire, ça permet de carotter des spirales du coup, avec potentiellement un 3 hit à la clé. Si le spiral est bien whiff en dessous de Blanca, voilà, bien joué le stun MK. Allez, voilà, double touche, du coup ça va permettre à Max de s'exprimer un petit peu. Pas d'anti-tir, voilà. Ouais, c'est chaud. C'est ça, c'est ça. On va avoir le prochain match. Bah moi je vais jouer juste après pour la troisième place. Il y a un match troisième place. Il y a un match troisième place. Il y a un match troisième place. Vas-y, je te commande. Il y a un match troisième place dans le match. Ouais, bah il y aura d'abord le match top tier 1DJ à jouer contre le vainqueur. C'était qui? C'était un. Nous, c'était nous, c'était l'administration. Donc là, vous allez jouer. Ah, bon, on joue direct. Là, je te prends le micro et tu viendras. Peut-être qu'on jouera ensemble. C'est à nous. Si tu ne gagnes pas. Ça t'a pas fait rire, hein? Non. Ah là là, le sel est présent au James Game Center, évidemment. Mais, alors, on dit qu'il n'y a pas de loser bracket, mais techniquement, il existe un micro loser bracket pour la troisième place de ce tournoi team 3 versus 3. Donc on va avoir maintenant le pot de départ de l'administration française contre l'équipe de top tier et un DJ. Allez, je vous laisse faire le janken, s'il vous plaît, les capitaines d'équipe. Yo. Est-ce que les junkens sont faits? Je n'ai pas l'info. Je ne sais pas. Oui, effectivement, vu le dindin, on a un gros score entre 5. Il n'a pas fait de. Un gros score entre gros sacs français. Le pot de départ contre, on a dit, deux. C'est quoi le pot de départ? Deux quelque chose? Un machin. Ouais, non, mais tu peux poser les petites affaires. Mais pose donc toutes les affaires que tu veux ici ou là-bas, ça ne me gêne pas du tout. Pour le stream, beaucoup de gens sont en stream. Ah ouais, c'est cool. C'est un stream de Zik, tout. Ah, il nous fait du matin. Tout à tiers. And one DJ. Allez, deux top tiers, un DJ. Le John Ken qui est en cours, qui va remporter le John Ken. C'est pas grave, on va tenter. Il est pas mal. C'est beau, la naïveté. Donc on va avoir l'administration française en P2 face aux deux top tiers et un DJ en P1. Voilà, changement de côté, ok, changement de côté, les administrations françaises P1, et c'est parti. Alors là on va avoir un très très beau match. Allez, c'est Nashka, enfin, qui ose s'asseoir sur la bande de stream, enfin. Que même quand Kazel n'est pas là, elle peut casser la famille de Kazel, peut casser des bouches. Et c'est maintenant, avec son DJ, elle était à bonne école, et maintenant elle va pouvoir tuer le Ken, peut-être, de Donian, qui est côté P1. C'est bien. Parfait. Nickel. Entière. Oh là, dommage, tentative d'entière HK, ça c'était pas mal. Sur le tatsu vertical. Allez, le jeu de boules pour l'instant ça se passe très très bien. Avec son DJ, le cross-up qui est bien gardé, tentative de chop, viens pas me choper, j'ai un dragon reversal. Par contre la balayette ne passera pas, l'entière non plus. Attention, il y a danger, j'ai du côté. Allez, ça va être dommage, punition ratée, Nashka. Allez, comment il s'appelle, Donian, il va devoir un peu remettre du match-up en place avec un jeu de boules effectivement efficace. L'anti-air balayette, c'est bien connu, ce sont les bases de 2X. Et ça marche toujours au James Game Center. Par contre, le Swashka qui va retomber sur la boule, maintenant c'est le pressing. Avec le Nibash, la spéciale U, Donian U.
bonne garde. Ah dommage, pas de moyen de rattraper ce Tatsu parabolique. Par contre, ça essaie de décaler des chops. On entend toujours plus aux extérieurs d'Exe. C'est pas grave. On va retrouver un truc fou là pour revenir dans le match du côté de Nashka. Et l'interception! L'interception du courrier par l'administration française! Ah, mais la ressemblance est frappante. Attention, là, Nibash, c'est reparti. La concentration est là, mais attention, le pressing encore une fois. Elle se retrouve dans le coin. C'est compliqué, bien joué. Le MP anti, peut-être, pour revenir dans le match pour Nashka. Alors que là, l'entame de match en 70 secondes restantes est largement en faveur de Donyan. Il n'y a pas de barre de super du côté de Donyan. Et par contre, il y a un zénith. Un zénith. Dommage pour Nashka, mais pour l'instant, ça fait 1-0 pour la team. Pot de départ de l'administration. Un match compliqué, là, du coup. C'est maintenant Xilo. Xilo, le malheureux, malheureusement, en solo, il n'a pas pu sortir de poule. On était tellement dans des poules de la mort, de toute façon, de partout. Maintenant, il est là pour montrer qu'il est là au tournoi et qu'il est là pour briller. Et tuer l'administration française et ses lourdeurs administratives. Xilo concentré. Allez, le Nibash! C'est reparti pour le Nibash. Un deuxième BMP, non? Pourquoi pas avoir confirmé? Peut-être qu'il n'est pas la charge? Allez, la garde est bonne en tout cas pour Xilo, même si le retard à l'énergie est conséquent. Pareil sur cette entame de match. Le dragon est bien gardé. La mise au sol avec le upper. Il n'a pas réussi à confirmer avec la super! Ah, ce dragon! Ce dragon, il est là! Il est mort! Allez, ouah, direct pour la mise au sol. Il va pouvoir pressuriser, mettre dans le coin. Le Donyan qui subit. Les ouah, ouah, direct. Les headbutt et heureusement le Daishoryu qui est là. Mais maintenant, c'est la situation qui est complètement renversée. Allez. Heureusement, il va trouver une punition minimalistement ratée. Ça ne veut rien dire. Il va falloir jouer safe hein, pour gérer cette fin de round. Il a la super. Hein. La moindre boule, de toute façon, c'est une erreur de Donyan. Hein. Toute boule où il y a la charge du côté du boxeur, c'est une erreur. Ça c'était dangereux de se rapprocher. Attention, le tout, il a remis dans le coin. Et il a dû effleurer un bouton sanois dont la sensibilité est tellement extrême a déclenché un coup. Et il a mangé une super. Malheureusement, Donyan. Et du coup, ça remet un peu les compteurs entre les deux joueurs. Même si l'avantage est venu toujours du côté de la team P1 avec son point d'avance. Et la mise au sol. Il rate ses timings de save jump. C'est pas bon du tout ça. Enfin, on se reprend, monsieur Donyan. Monsieur Donyan, heureusement, il trouve un dragon. Et encore du Nibash. Toujours du Nibash. C'est le spécialiste. Il a voulu se relancer dans du Nibash. Attention, le devant-derrière était plutôt un devant-devant assez évident. Et il y a quand même de la pression là sur les épaules. Toujours de Xilo. Il est dans le caca. Xilo est dans le caca. Mise au sol. La super de Donyan qui l'emporte. Et maintenant, Geronimo. Geronimo, dernier rempart pour son équipe. Alors qu'il y a 2-0. Tu prends ta revanche. 2-0 pour la team. P1, la team départ, la team du pot de départ de l'administration française. Ah, il est chaud, Donyan. Donyan, c'est vraiment un des joueurs du haut du panier français. Et il est là pour le montrer à ce tournoi du James Game Center, première édition, le Field Fighter. Le Field Fighter. Alors, ne le dis pas trop vite parce que sinon ça fait un peu Field Fighter. Mais en tout cas, c'est un tournoi vraiment de très bonne qualité. J'espère qu'il aura lieu encore l'an prochain. Il a l'air très très motivé en tout cas, comment James, avec l'aide évidemment de vous, le patron des Warcadiens, ils sont hyper motivés tous les deux pour faire des tournois, donc j'espère que ça va devenir un rendez-vous très régulier ici, dans la banlieue de Pau, à Ségos. Oh là là, ce Daishoryu! Évidemment Daishoryu, un lightbox est tellement énorme en face de quelques... Quasiment tout ce qui est en face est au moins gratté. Et là, c'est par contre, c'est bien confirmé avec directement Shore UMP. UMP, je sais pas. C'est Geronimo qui va se repositionner maintenant en mode Dalsim, en mode tourelle, en mode contrôle de l'espace et du temps et du feu. Le contrôle du feu, il a même le contrôle de l'espace avec sa téléportation. Il reprend le même combo qu'en ouverture. C'est cross-up, c'est chop. C'est cross-up, c'est chop. Et oui, 3-0. Oh, si, oui pour la team de Donyan qui ira donc en finale affronter la team Ta Gueule Robocop.
Alors tout de suite, la team Geronimo, Nashka, Xilou, vous restez là. Ah bon, vous allez faire le match pour la troisième place face à mon équipe. C'est quoi Geronimo, mon équipe? Je sais plus. Contre qui on fait Ah oui, c'est contre. Oh là, c'est contre les Twingers là. C'est contre vous. On va les défoncer. Allez, c'est parti. Arrache Slip versus. Alors là, c'était les demi-finales, excusez-moi, on n'est pas à jour. Donc là, on est pour la troisième place. Match pour la troisième place, c'est maintenant la team des Arrache Slip contre les deux top tiers et un DJ. Je vais laisser le micro à quelqu'un qui veut bien papoter. S'il vous plaît, qui est-ce qui veut papoter? Un papoteur, s'il vous plaît, pour les commentaires. Qui allez, Qz. Allez, Marcade. Ah, en espagnol, tu gueules. Allez, tu nous fais un mix franco-espagnol et anglo. Anglo-franco-espagnol. Hola, hola. Tu mets les chiffres et tu fais sauvegarder, ça met à jour le score sur le compteur. Les équipes sont de l'autre côté. Les équipes sont. Bah peut-être faudra swapper, mais au pire tu fais swap et enregistrer. Ça marche. Hola, hola. Nada, Marcade, vamos a comentar la partida por la tercera y la cuarta posición de este torneo. Hola Ricky, ¿qué pasa? A ver si vienes a un torneo a Francia otra vez, hombre. Confírmame aquí en el stream, Ricky, que vienes al XSB. Confírmamelo, si no nos buscamos un swap. Si no nos buscamos otro compañero de equipo. Joder, nada, dímelo aquí, Ricky. ¿Querías saludo? Pues ahí lo tienes. Y vamos a tener, pues como decía, el tercer y cuarto lugar de este torneo por equipos tan sangriento. Sin loser, sin nada, nosotros nos hemos ido. Buenas, McLean. Yo Sam. Tan sangriento, nos hemos ido en primera ronda nosotros. Entre el equipo Two Top Tiers, One DJ, en referencia a los Beastie Boys, excelente gusto musical de Zilo. Y Arrache Slip, el equipo de Banshee Bot, y Alexibo. Combinación Nante lyonesa. Tercer y cuarto lugar le dan fuerza. Ya podéis seguir cómo está gritando la gente. Aquí se juega la tier list Boxer contra el Garra. Ah, cae por detrás, súper ambiguo, el puño ese que sale al aire. Wow, no hay antiaéreo ahí, lástima de Zilo. Bien, parado ahí, perfecto. Ese Starpa bueno, buenas Tifus. El super que está preparado por el... Wow, bien parado ahí con el puño medio agachado. Este super que puede hacer muchísimo daño por parte de Boxer. Ah, ese zarpazo. No hay antiaéreo ahí. Aquí coño lo hace antiaéreo a la velocidad que va este personaje. Muy bien, el dash upper. ¡El agarre! No hay agarre ahí. ¡El super! ¡Oh! Joder, qué fuertes son los cascos, por Dios. ¡François, tú! Muy bien. ¡Bien, el dash upper, perfecto! ¡Bien, el dash upper! Autocorrect, que sale por el otro lado. Zilo, que está haciendo tecnología guapa. ¡El chispa es loop! ¡El chispa es loop! Sí, señor, Zilo. Va pleurer dans ton coin. Qué bueno. Bien, Zilo, bien. 1-0 para este equipo, para el equipo Top Tiers, Two Top Tiers, One DJ. Ahora le toca a Og por Zangief, matchup igualado. 5,5 a favor de Zangief. Vamos a ver si Og es capaz de aprovechar ese 0,5% de ventaja. Puño medio ahí para pararlo. No hay 360, ha caído bastante lejos por el pushback. Buen puño ahí, Lariat. El giratuto, él también tiene un giratuto. Oui. Dos hit combo, muy bien, hace mucho daño. ¡Vaya! ¡Vas-y, Frankie, c'est bon! Bien, el puño ahí, ha dejado otro puño. Oui, oui. Bien, la oh, oui. ¡Oh, mais cet homme! Está jugando oh, perfecto. Mais il a tous les boutons sous ses doigts. Il devrait que je tous. Un super que puede hacer si sale, pero yo creo que lo está esperando. La super. Lo está esperando. ¡Oh, eso jugando! ¡Uy! ¡Ahí, Flo!
claro, si lo sabe lo que tiene que hacer. Solidité nantaise. Hay mucho correo aquí, Tifus, pero seguro. Sinon, tu aurais dû prendre le team, le nom. Waouh, et cette tape qui a sali en un bon moment. Oh, oh, fallé 360, qui quasi podría haber supuesto el round. Espero que no se arrepienta de haber fallado eso. Bien, el dash low perfecto en plena área. Lo está jugando muy, muy bien Gilo. Muy bien, el tap ahí perfecto. Tu donnes un petit round, tu donnes. Tu vois, t'as un mec qui donne, tu te dis. Gilo que va a intentar asegurar este round y tener. ¡Sigue! ¡Sigue! Y tener tres posibilidades de ganar a. ¡Muría! ¡Muy! Pero desde la presión en la esquina. Oh, ha fallado aquí el. El stick throw. Allez, oui. Allez, ici, ici 3-6, ici 3-6 mon gars. Muy buen round de... Là j'ai plus un de voix pour deux. Oh, pardon. Muy, muy buen round de... Un moment, pardon. Il est mal nourri, Ah, hola, perdón. Muy buen round de Wu. 1-1. ¡Ay, Jerónimo! ¡Se cuesta un tam de match! ¡Un tam de match de fou! ¡De fou! Ahora 1-1, perdón. Bueno, ahí el antiaéreo de Jerónimo. Jerónimo Dalkin, que ha hecho un excelente torneo. Muy bien el Yoga Snipe ahí, perfecto. Un excelente torneo individual. Se ha quedado top 8, se ha cargado a los jugadores como Targat, por ejemplo. Ha sido él el que ha. Ha sido él el que ha eliminado a Targat, por ejemplo. Y ahora que está aplicando el matchup. Yoga Snipe ahí, perfecto. Es un maestro de Yoga Snipe, Jerónimo. Ah, que es complicado para Uf, esta situación es bastante dura. Pero como lo tira al suelo, está jugando perfecto. Aquí Jerónimo. Allez, Banshee-Bot, c'est toi maintenant qui sauve l'équipe pour une petite médaille en chocolat là. Hein? Moi je veux mon chocolat. Moi je veux mes chocolines. 2-1 pour l'équipe, 2 top tiers et un DJ. Ahora es el turno de Banshee-Bot. Antiguo Leonés ahora en Nantes. Uno de los mejores, si no el mejor. Putain, mais c'est son tir à l'autre bout de l'écran! Un combat que, bueno, evidentemente. ¡Voilà! ¡Voilà! A favor de Dalsim. Pero con este tío, pues los matchups como quedan un poco igual. ¡Oh, les embrouilles! ¡Oh, les embrouilles! Viene ahí el air to air impecable. No hay antiaéreo ahí, bien leído. Oh, bien. Allez, c'est fini. Allez, la chope. Allez, pour toi, c'est gratuit. L'heure de lui manger le cerveau. Fijaos que. Oh, que va a intentar hacer alguna guarrada. Ah, lástima, no ha venido un agarre detrás. C'est ça. Magnifique. Ha dudado si tirar el drill o no. Je dirais Jerónimo est plus bon. Un peu quand même. No hay antiaéreo ahí. Ahora sí. Atención que viene. El Yoga Boy Loop. Con tantos mordisquitos. ¡Qué bueno el antiaéreo! Buen barrido ahí, antiaéreo también. El futuro con su lotier. ¡La super! ¡Woo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 
Está jugando muy muy bien Nazca. Uy, ey, 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 ey. Puede cambiar el matchup. Le ha salido ahí un machine gun uppercut, yo creo que era involuntario. Oh, bien visto el Sobat, muy bien esos puñitos. Ah, el barrido se lo ha leído. Lástima, le ha fallado el super, yo creo que era el super. Y dos puntos de tercera posición para el equipo Agaslip. Bien, el proyectil, va a zonear, ahora le toca zonear a Nazca. Muy, muy, muy buen DJ. ¡Ya! ¡Está franchi! ¿Qué nick tiene en FC? ¡Oh! Se llama Nazca. Igual. Está, la veis mucho, ¿veis mucho en los torneos de los, de los miércoles? ¡Uf! ¡Wow! Está jugando increíble ahora mismo. Pas le verdu de l'arachide, non, pas le verdu de l'arachide. C'est puni. Allez, 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 mange. C'est bon, il a la pression. Allez, bien, le Sobat, impeccable. Sospechoso, parece un boxer. Parece un boxer contra Onda. No hay agarre, ahora sí, ahí, lástima. No hay antiaéreo ahí. Otro agarre, lástima. Y otro agarre. ¡Ouais! ¡C'est ça, mon gars! Muy buena victoria del equipo de Banshee-Bot. Banshee-Bot. 2-3 en el último round. Muy, muy buen torneo por parte de los dos equipos. Muy bien, felicidades. La final es la final. Eso, la final. Y ahora, bueno, vamos a tener la final entre. No, no, yo te la he estado. Yo me amaré gustando. Yo me amaré gustando. No, 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 peludo, peludo. Os voy a dejar a Isimón que comente la final que le da el ambiente. La final entre el equipo de Paul, Max y Dargan contra la administración francesa, es decir, Dogian, Tuacac y Sun. Y bueno, va a ser divertido. Attends, Judas. Nada, paso a. El Jonken, s'il vous plaît, el Jonken. Paso a Isimón, GG's a todos y nos vemos. Muchas gracias, Marcadet. Ah là là, quel match, on est passé pas loin de la mort. La muerte, elle était pas très très loin. Là ça fait chaud. Du mal à commenter. Le tout dernier match qui va opposer la team Tagal Robocop, évidemment, à la team de l'administration française. Et c'est parti, la finale, la fameuse finale de ce tournoi, 3 contre 3 par équipe. Avec évidemment donc la team Tagalobo comme Tag Zargat, comme le disait précédemment Zargat, Colux et Max31 qui affrontent donc Soon, Touakak et Don Yann de l'administration française. C'est à vous messieurs, P1, Tagal Robocop, P2, départ, le pot de départ de l'administration française, c'est maintenant, faites du bruit pour la finale. Merci Dindon. Allez, c'est parti, ils se sont bien lancés maintenant les deux avec... Oh putain, mais c'est encore un match-up impossible pour Colux, il est collectionné. Allez, Colux, compliqué aujourd'hui, il affronte maintenant un Dalsim après avoir affronté tout à l'heure Magriff. C'est toujours très 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 difficile hein, d'attaquer un team battle comme ça, un 3 contre 3 avec directement un match-up très défavorable. Il va falloir qu'il se sorte les doigts du slip noir. Ah, c'est compliqué. Franchement, on va te faire toi. Là, Tomoko, le dessin avec un Zangief en train d'en chier des briques face à un Dalsim. Avec une tête de la dépression maximale. Ouais,
Allez, oh, dommage. Un petit 3-6 aurait été bien, mais il s'est fait immédiatement pressuriser par le zoning impeccable. Impeccable de tout à cac. Aïe, 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 attention. Déjà, du coup, un point. Un point dans cette finale. Ça va aller tellement vite. Un point pour l'administration française. Ici, au Field Fighter, première édition. Et César Gatt, maintenant, qui y va comme tout à l'heure. Ils sont dans le même ordre. On envoie d'abord Colux. Ensuite, Zargat. Et évidemment, le patron reste de côté, espérant peut-être ne pas jouer, comptant sur ses acolytes pour l'emporter dans cette finale. Pour le moment, il y a encore du boulot à faire pour Zargat, qui va devoir affronter le Dalsim, le meilleur Dalsim du nord de la France, tout à cac. Oh! Ah, cette mise au sol, elle est terrible pour le Dalsim qui, heureusement, a réussi à trouver un peu d'espace. La super gâchée, chopée en plus. Heureusement, on l'a déchappé là pour Zargat. Ça limite un peu les dégâts. On est encore à mi-round. Hein. Il peut encore se faire une deuxième barre de furie, Zargat. Ah bien, excellent ce petit poke façon Street Fighter 5 qui permet de péter les drills et de remettre la pression là où il faut qu'elle soit, c'est-à-dire dans le corner. Encore une fois, la même. Zargat, deuxième super, ça gratte pas assez. La différence de grade de super sur une fin de round comme ça, là, sur une fin de barre de vie. Ah, le, ok, le néon démarre. Le néon démarre. Et c'est du côté de Touakak que le néon démarre. Un signe divin. Appelez tout de suite le pape. Le néon de la bande s'est allumé d'un coup. Il n'était pas assez chaud après 15 heures d'affilée d'allumage. Maintenant, il est chaud. Maintenant, la bande P2 est chaude. Attention. Oh là là, c'est drill. C'est terrible pour Zargat qui est pressurisé dans le coin. Aïe, aïe, heureusement, la garde est bonne hein, du côté de Touakak. Et c'est parti pour Zargat qui met du pressing. Dommage, ça fait pas combo balayette. Est-ce qu'on va faire un Touakak aussi vite? Zargat qui récupère à l'atterrissage pour mettre du pressing. Oh, ça touche pas! Ça touche pas, c'était un pixel! Hey, hey! Oh non! Le mid-pied qui sort pas! Zargat qui nous fait des yeux ronds comme la lune! Magnifique, magnifique, Touakak, félicité par Bazooka hein, sur le stream. Le petit père de la gauche du Nord. Ok, Bazooka, je sais pas si tu l'as entendu, mais il t'aime. Il t'aime. Attention, dernier match, maintenant pour la team, dernier match, un des joueurs, pardon, pour la team, ta gueule Robocop, avec Max 31. Max 31 qui part direct en drill. Il ouvre le round, il fait drill, il a pas le temps, il veut tuer, il veut reverse au CV maintenant la team. Airshop, ça ramène tellement loin, c'est cruel. Tu fais une airshop, tu te retrouves à l'autre bout de l'écran, tu peux pas du tout mettre de pression sur la relevée de l'adversaire. Pour l'instant, Touakak s'en sort bien. Là, Touakak, il est pas si mal que ça dans ce match. Par contre, là, il est mis au sol. Là, c'est dramatique. Il est dans le coin. La garde est bonne. Max 31 qui est Yasashi. Hein. Il laisse son adversaire sortir du coin. Il se prend même des petites chops. Là, super en gratte. Ok. Il veut vraiment amener son adversaire au bord de la mort pour avoir juste la double touche qui va pas tuer. Quel dommage. Quel dommage. Cette double touche était intéressante, mais pas suffisante. Et c'est une balle de début de remontada peut-être pour Max 31 Tagle Robocop. Il va installer la tour de contrôle maintenant, le Dalsim du Nord. C'est amusant de noter qu'il y a 4 bons joueurs de Dalsim en France. Et ils sont répartis entre le Sud, l'Est, le Nord. Allez, c'est bien. C'est bien, il s'en sort. Il s'en sort Max 31, il va peut-être pouvoir revenir dans son match. Alors qu'une petite bestiole, un petit insecte vient embêter nos joueurs de griffes nationaux. Non. Le parti pris. Il te dit non, ne fais pas de Flying Barcelona, Asun. Ne fais pas ça, c'est trop cruel. Allez, 2 à 1 pour l'équipe toujours de l'administration française. Il débloque le compteur. Il débloque le compteur, Max 31 pour son équipe. Et maintenant, il va jouer une griffe. Un match-up légèrement en avantage pour Claude, un 6-4. Mais il ne faut pas sous-estimer les normaux extraordinaires de Camille dans ce match-up. Il faut trouver une bonne mise au sol pour mettre en place un Barcelona. Mais bon, c'est quelqu'un qui a une bonne exé quand même. Max 31, il est capable de balancer le dragon dans le bon sens quasi systématiquement. Donc il ne faut pas trop compter là-dessus. Il vaut mieux compter sur les forces au sol de son personnage avec Claude. Oh, c'est bon, ça touche. Ça touche. C'est derrière. BMK, BMK, il a raté son BMK, BMK. Ah. Attention, il y a danger quand même là-dessus pour Soon. Soon qui réussit à choper la première balle de match pour son équipe dans ce tournoi 3 contre 3.
Et il entre direct dans le match avec Rolling. Second Rolling LP, c'est bien gardé. Ah dommage, malheureusement il prend reversal. Dragon après le BMK, la chope qui est pour Max 31. Ça aurait pu être une chope aussi pour Soon. Ah là ça c'est pas bon parce que là c'est devant, c'est derrière et c'est bien. Oh la punition qui va. Non dommage. Une petite roll aurait peut-être été un peu plus indiquée, mais c'était intéressant. Il a tenté une punition maximale et ça n'a pas porté ses fruits. C'est dommage, il aurait pu avoir un stun sur une super. C'était vraiment intéressant quand même à jouer de la part de Soon. Mais attention parce que Mané se retrouve avec un point du côté de l'adversaire. Il est mis au sol, il se fait punir évidemment par Phare HP. Hein, le Phare HP qui rattrape le Serlet. Allez, petite interception à ras du sol. Mais oui, non, il faut pas faire ces petits Barcelona à l'emporte-pièce. Ah là 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 là, il s'en bat les couilles, Max 31. Il balance des dragons à l'emporte-pièce. Et maintenant, c'est Donyan. Donyan qui va pouvoir tenter lui aussi d'accrocher le trophée sur au-dessus de son. J'arrive plus à parler. Au-dessus de son sofa dans le salon. Ça va être très très dur, effectivement, Evil Dindon. Ça va être très dur. Le jeu de boule de Ken, c'est peut-être pas à la force du personnage dans ce match-up. Ce sera plutôt du côté d'un dragon efficace et du mise au sol et d'un Ibash. Intéressant là ce sweep, c'est pas le sweep, mais je sais pas comment il s'appelle ce coup là. Le Nawashigiri là, le pire rotatif, jambe droite. Il peut le faire, hein, c'est juste un match gagnant. Il peut sortir Max 31 avec ce dragon suivi de Kid. Mais c'est 3 hits, non c'est même pas 3 hits. Oh, c'est bien gardé ce nouvelle balle de match pour la team de l'administration française face à Max 31, Donyan. Le dragon qui est pas là. Le dragon qui est aux oubliettes. Oui, bah, heureusement, pour revenir un peu dans le match, dragon, c'est quasiment impunissable. Par la Camille, par contre ça, oula, il y avait danger maximum hein, après ce 2 hit vomitif. Ouais. Et c'est voilà, allez, c'est maintenant les gars, il faut m'encourager ces deux joueurs. C'est maintenant, c'est le et c'est tout de suite la choc de Max 31. Un grand classique de Max 31 qui ouvre tous ses derniers matchs sur ce genre de phase. Je compte pas le nombre de fois où je vois des finales qui commencent et ils commencent par ça. Oh, c'est gardé encore. La garde est bonne. Le sweep est bon. Là par contre le Kid Zeme est pas bon. Et c'est fini! Max 31 tout zone avec son fin medium kick et qui l'a encore pour la team Tiger Robocop! Les GG's qui pleuvent dans le chat! Pour l'équipe Zargat, Max 31 et Colux, félicitations à eux! Ils remportent ce premier Field Fighter par équipe! Félicitations! Donc première place, la team Tiger Robocop, deuxième place, l'administration française, et troisième place, les Arrache Slip. Voilà, c'est la fin du Field Fighter, les gens courent déjà, ils sont complètement alcooliques, ils courent tous vers le bar, ils veulent tous aller chercher leur bière, c'est effrayant, ces gens sont effrayants, je suis entouré d'alcooliques, que quelqu'un vienne me chercher s'il vous plaît. C'est terrible. Et en tout cas, ça finit comme ça. On vous remercie vraiment tous beaucoup. Vous avez été très nombreux aujourd'hui pour une première édition à suivre ce tournoi. J'espère qu'il vous a fait plaisir. J'espère surtout qu'il vous a donné envie de venir à la prochaine édition du Field Fighter. Suivez bien le compte, tous les comptes réseaux sociaux, Twitter, Discord, Instagram. Je sais pas, il doit en avoir plein de j'aime. De toute façon, quand on a plein de pornes, il faut qu'on les montre, il faut les mettre sur des réseaux sociaux. Et je suis sûr que vous pouvez le retrouver sur tous les réseaux sociaux classiques, Facebook, Instagram, Twitter, et suivez un peu ce qui se passe dans l'actualité de cette association parce que ça envoie vraiment du très très lourd, autant pour de la bagarre que pour ceux qui sont fans d'arcade. Il faut vraiment, franchement ça vaut le coup de venir lorsqu'il y a des sessions, c'est James. James, est-ce que tu veux venir dire un petit mot peut-être Alors on n'est pas sur la caméra, je vais mettre la caméra, voilà, alors on ne voit pas très bien, je te laisse le micro. Ça marche? Je te laisse parler un peu fort avec le micro. Vas-y, vas-y. Ouais, salut à tous. Merci d'avoir suivi pour ceux qui ont regardé. Super niveau, trop sympa de voir la tenue de Zix et en fait des levels comme ça. Donc je pense, il y avait quand même un super niveau. Ah oui, c'est un tournoi, effectivement, il manquait plein de grands joueurs, mais ouais, c'est normal, sûr, on ne peut pas accueillir tout le monde. Mais il n'empêche que les mecs qui étaient là, c'était des mecs qui étaient là vraiment pour le jeu, et ça a vraiment donné un tournoi exceptionnel.
pas mal de gars qui ont level up par rapport à ce qu'ils, ah oui, oui, bah, y a... qu'ils avaient. Il y a l'espèce qu'un an, un truc comme ça. Bien sûr, bah, y a... bah, là tu vois, t'as Nashka dans le top 4 du tournoi Nashka, team qui a tenu la dragée vraiment très haute à Banshibot. Donc ouais, c'est vraiment un indicateur que. Ah oui, Doniad c'est un ancien, mais c'est un mec qui est toujours resté vraiment au top, il s'effondre pas. Et du coup ça a donné vraiment des... On a eu des matchs depuis les poules du solo jusqu'au dernier match là du team, c'était extraordinaire. Voilà, donc c'est vraiment super. Quasiment tout le cast joué avec des... il manquait un Guile, il n'y a pas de Guile. C'est pas grave, tu peux pas avoir tout le cast sur un tournoi. C'est vraiment bien. En tout cas, merci à tous, première édition, on en fera... rendez-vous l'année prochaine pour ce qui est du Street Fighter. Et puis nous avec le Game Center, on aura plein d'actu tout au long de l'année. Et on espère pas mal de stream. Là. C'est une première fois qu'on stream aussi directement depuis la salle. Ah ouais, c'est top. Un petit relais 4G, ça fait l'affaire. Setup en 4G, on va te copier pour pouvoir le faire nous régulièrement. Non, mais je t'envoie tout le listing du matos. Ceux que ça intéresse, faut pas hésiter à nous le demander aussi. C'est basique, c'est très basique. Et donc mais là aussi, on trouve aussi que la commu 2X elle est soudée, elle se déplace, elle est toujours aussi motivée. Et que même les assos entre la dose, le Game Center, que ce soit entre Lyon, la Bretagne. C'est les associations qui font vivre des jeux qui ont 30 ans de toute façon, exactement, donc il n'y a pas le choix. Des jeux qui ont 30 ans, mais on est content de le faire, on est content que ça soit suivi, les gens se déplacent et on est tous potes, on est content qu'il y ait des initiatives partout. C'est un super week-end, c'est l'éclat. Moi je suis ravi d'amener des bornes à Rennes depuis des années, je suis ravi de voir les joueurs lyonnais débarquer dans mon circuit. Parce que t'as vu sur pas mal de circuits, mine de rien, toi t'es un peu partout, t'es pas que ici, tu bouges beaucoup avec les bornes aussi, donc c'est génial. Donc voilà, mais écoutez, on vous laisse, on va continuer, on a du free play un petit peu sur 2X évidemment, mais sur plein d'autres machines arcades. Demain, on est encore là avec toute la commune 2X tout le dimanche, on streamera pas je pense, mais on va faire des petits comités entre nous là. Ouais, on va faire des petits défis, ouais. Et puis voilà, et puis on vous dit à bientôt, et ceux qui étaient sur le chat, merci à vous d'avoir suivi, et puis la prochaine fois, vous serez présents pour... Il y a Bazooka déjà qui dit l'an prochain je viens. Eh ben oui, c'est noté. Listé, toi, c'est ça. Noté. Hein. Voilà, allez, à bientôt les gars, ciao. À bientôt tout le monde. Bien, je t'en prie, au plaisir. Ciao les gars, je coupe. La bise. Et inscrivez-vous XSB, HFS, Mikado, je sais plus comment ça s'appelle, Mikado, Haru. Enfin, c'est un événement très bientôt là. C'est le même week-end que le HFS. Donc bon, ça va être compliqué j'imagine pour beaucoup de Français qui vont plutôt choisir le HFS. Mais voilà. À très bientôt les gars. Bisous. Ciao.